Pour une bonne nouvelle, c'en est une, la promesse du chef de l'État pour l'année qui s'annonce avec la revalorisation salariale. Le SMIC, salaire minimum garanti, passe désormais de 36 000 environ à 60 000. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenue ce mercredi 20 novembre 2013 au palais présidentiel. De 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure, naturellement, était attendue par les populations et vient soulager donc les travailleurs qui n'ont que trop souffert donc de la hausse des prix. Son application donc contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie donc de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur, évidemment, dès son adoption. Et elle permettra effectivement aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur instruction du président de la République, de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de population défavorisées. Ce Conseil des ministres a également donné lieu à une projection à l'attention des membres du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Une projection relative à un certain nombre de réalisations à Abidjan, principalement dans la commune du Plateau, centre de décision par excellence. Il s'agit notamment de la construction de résidences des hôtes du chef de l'État, de l'extension de la primature, de la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide et sur le plan environnemental de la dépollution de la baie de Cocody.